Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Louis Molinier jugé en appel, nous retrouverons Grégoire Trudeman au tribunal de Basse-Terre. Le service militaire adapté, véritable outil de formation en Guadeloupe, prévoit des changements en 2019. Et enfin, le journal France Antilles se refait une beauté, la nouvelle édition sortira dès demain. L'affaire avait mis fin à son mandat en février dernier. Louis Molinier, l'ancien maire de Terre-de-Haut, comparaissait aujourd'hui devant le tribunal de Basse-Terre. Il était alors jugé en appel pour une affaire de détournement de fonds présumés. Une affaire qui pourrait bien entériner définitivement sa carrière politique. Grégoire Trudeman a suivi pour nous le procès. Oui, l'avocat général a requis une peine plus lourde que lors du jugement de première instance. 30 mois de prison ferme ont été demandés contre Louis Molinier, l'ancien maire de Terre-de-Haut, qui comparaît aujourd'hui en appel pour détournement de fonds publics. C'est 6 mois de plus que lors du jugement de février dernier. Par ailleurs, les demandes de 10 ans d'inéligibilité et 5 ans de déchéance de droit civique sont confirmées. Je vous propose d'écouter tout de suite l'avocat de la Défense, Maître Samper. Écoutez, une augmentation de 6 mois sur ce qui a été prononcé, c'est le jeu du parquet. Hein. En appel, il y a effectivement la possibilité de demander une augmentation de la peine lorsqu'il a fait appel. Il le fait, c'est de bonne guerre. Dans ce dossier, il y a beaucoup d'éléments qui ont été placés sous scellé et qui ne sont pas présentés aujourd'hui à la juridiction. Donc la juridiction doit statuer sur des propos, sur des on-dit, et ensuite faire confiance à l'accusation. Ça pose un petit peu de difficulté à ce niveau-là. Pour rappel, Louis Molinier a été maire de Terre-de-Haut entre 2000 et 2018. Il est jugé aujourd'hui pour plusieurs affaires, notamment des dépenses qu'il a du mal à justifier, comme ses 911 bouteilles de champagne achetées aux frais du contribuable, ou cette voiture de fonction à 36 000 euros qui aurait peut-être servi de voiture personnelle à l'ancien maire. Il y a aussi les marchés publics, passés sans appel d'offres, pour la rénovation de 40 logements dans la commune. L'avocat général soupçonne aujourd'hui le maire d'avoir fait passer ses rénovations de logements insalubres pour des administrés qui auraient profité d'actes de clientélisme. Mais il y a aussi la plus grosse des affaires, l'affaire du club de foot de l'AJSS, où plusieurs joueurs auraient profité d'emplois fictifs à la mairie pour les attirer dans le club de foot. Aujourd'hui, l'avocat de la commune, qui s'est constitué partie civile, accuse l'ancien maire de la ville d'avoir creusé fortement le déficit de la ville. Terre-de-Haut a subi un préjudice très grave. N'oublions pas que c'est une petite commune qui a moins de 2000 habitants et qui aujourd'hui doit faire face à un déficit de plus de 3 millions. Et tout ça parce que c'est pas une unique raison, mais c'est aussi en grande partie parce que la gestion intérieure a été très hasardeuse. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont grevé les finances de la commune, qui a agi comme un véritable banquier pour certaines personnes. De son côté, la Défense plaide la maladresse et l'incompétence, mais il pointe surtout le manque de preuves de l'accusation. Le délibéré sera rendu dans quelques mois. Et le marathon judiciaire continue aussi pour Lucette Michaud-Chevry. Après sa garde à vue de 7 heures hier pour une affaire de détournement de fonds présumés, la présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes a été convoquée par le tribunal correctionnel. Cette fois-ci pour des affaires liées à la gestion de l'eau dans le sud Basse-Terre. Elle sera alors jugée le 14 juin prochain. Recrutement, formation, insertion, ce sont les maîtres mots du RSMA, autrement dit le régiment du service militaire adapté. C'est un outil majeur de recrutement pour les jeunes en Guadeloupe. Près de 800 d'entre eux y sont formés chaque année. Alors pour maintenir cet objectif, le régiment innove en 2019. Nous nous sommes rendus sur place. La réussite par l'effort et le travail, c'est la devise qui règne au sein du régiment du service militaire adapté de Guadeloupe. L'organisme recrute près de 800 jeunes chaque année. Parmi eux, Victorine, il a intégré le service menuiserie il y a 6 mois. J'aime tout ce qu'il y a ici, surtout les métiers qu'il y a, c'est des bons métiers. Ça vous apprend la vie commune qu'il y a ici. Et moi, c'est la bois que j'ai préféré, donc j'ai choisi la bois. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait un établi,
J'ai une toile à faire, j'ai déjà fait un premier ici là-bas avec mes collègues. Et sinon, ici ça se passe bien. C'est un jour particulier pour le stagiaire car c'est sous le regard avisé du général de la Doucette qu'il travaille aujourd'hui. C'est lui qui est en charge des 7 services militaires adaptés implantés dans le monde. Il est venu en Guadeloupe dresser le bilan du régiment. Une des caractéristiques ici au régiment, c'est la problématique du recrutement. Voilà. Donc le régiment a des objectifs qui sont ambitieux en termes de recrutement. On lui demande de recruter 800 jeunes, un peu plus de 800 jeunes tous les ans. Ça représente un vrai challenge parce que vous connaissez la problématique de la population en Guadeloupe. La population commence à diminuer, les classes d'âge sont moins nombreuses, il y en a plus qui partent poursuivre des formations en métropole. Donc le régiment dépense beaucoup d'énergie pour atteindre des objectifs de recrutement qui lui sont fixés. Alors pour atteindre ces objectifs, le régiment innove en ce début d'année. Nous améliorons la qualité de nos formations avec pour certaines d'entre elles, la délivrance de titres professionnels qui vont intervenir à partir de 2019. L'autre innovation, c'est le renforcement de l'accompagnement médico-psychosocial de nos volontaires, puisque nous allons avoir affecté au régiment en permanence un psychologue cette année. Nous avons des conseillers de mission locale et de Pôle emploi qui viennent travailler avec nous à temps plein aussi cette année. Et nous développons donc des processus qui vont permettre de renforcer donc l'employabilité de nos jeunes dans ce domaine-là. Notre objectif, c'est au-delà des statistiques qui montrent qu'on a 80% de nos jeunes qui sont insérés, c'est de renforcer l'insertion durable, c'est-à-dire de l'emploi dans le long terme. Et pour ça, donc, notre grande ambition, c'est de renforcer la qualité, les partenariats, pour permettre à nos jeunes, après, qui vont rester sur le territoire guadeloupéen, d'être vraiment en mesure d'accompagner son développement économique. L'année dernière, près de 700 jeunes ont trouvé le chemin de l'emploi. L'organisme est alors devenu un outil majeur d'insertion pour la jeunesse guadeloupéenne. La Désirade va-t-elle enfin sortir du brouillard? Voilà plus d'une semaine que l'île est bloquée et que son port est à l'arrêt. Mais la situation devrait bientôt s'améliorer. La préfecture vient d'autoriser les travaux de dragage du port. Ils seront lancés le 21 janvier prochain pour un coût estimé à 700 000 euros. C'est l'une des premières choses que vous ouvrez le matin, il s'agit du journal. En Guadeloupe, vous êtes quelques milliers à recevoir le France Antille chaque jour. Eh bien, attendez-vous à du changement dans vos boîtes aux lettres dès demain. Le journal se refait une beauté. Coup d'œil sur la nouvelle édition avec Marius Mathieu. À Bemao, chez ce marchand de presse, la journée commence toujours de la même manière pour Isabelle. La mise en place des journaux, dont l'unique quotidien local de la Guadeloupe. Nous, on ouvre la boutique à 6h30 le matin. Donc les France Antilles sont déposés dans la boîte presse la nuit. Je les récupère à 6h30 le matin. Je les dépose sur mon présentoir. On en vend pas mal. On est en moyenne à peu près 20 France Antilles par jour. Que ça soit des faits divers à l'économie, je pense que tout le monde s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui. Et pour satisfaire les esprits curieux, le groupe emploie en Guadeloupe 26 journalistes pour couvrir l'ensemble de l'archipel. Si le journal informe les Guadeloupéens depuis 1964, l'année 2019 sera synonyme de nouveauté selon la rédactrice en chef. Ça fait plus de 50 ans que France Antilles quand même accompagne les Guadeloupéens dans leur quotidien. Et là, on avait envie de revoir complètement notre journal, le moderniser. Et le souci qu'on s'est donné, c'est vraiment plus de proximité. Voilà, plus moderne, plus proche des Guadeloupéens. Et pour accompagner son souhait de modernité, le journal s'est aussi équipé d'une nouvelle imprimerie plus performante. Là, nous allons voir donc la nouvelle rotative du journal donc qui est arrivée au courant de l'année 2018 et qu'on installe depuis plusieurs mois déjà. Donc cette nouvelle rotative, elle va nous permettre d'imprimer France Antilles tout en couleur. Ça, c'est une vraie révolution. Et elle est quand même capable d'imprimer 55 000 exemplaires à l'heure. Avec 18 millions de lecteurs quotidiens, la presse quotidienne régionale est le premier vecteur d'information et le premier lien social en France et en région. L'unique quotidien de la Guadeloupe pourrait, avec cette nouvelle formule, diffusée dès demain, accentuer ce constat sur l'archipel. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Louis Molinier est jugé en appel, il risque jusqu'à 30 mois de prison ferme. Le service militaire adapté, véritable outil de formation en Guadeloupe, prévoit des changements en 2019. Et enfin, le journal France Antilles se refait une beauté. La nouvelle édition sortira dès demain. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.